Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, toujours en multi avec la Ligue Sectique et donc avec Tiberian et Damned. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et on reprend du coup notre petite partie tranquille, hein, qui était dans une phase un peu de calme, hein. Enfin de gestion de c'est rébellion ça. On va on dire. On va essayer de partir enfin en colonisation, ça devrait vraiment tarder maintenant. Et ça c'est cool. Oui. Bon, du coup, je me suis posé en Amérique du Sud, normalement je devrais pas trop vous déranger. Allez, on va aller explorer les 2-3 conneries qui nous manquent en Europe du Nord là. Combien déjà? C'est minimum 3 bateaux hein, pour partir en. Ouais, c'est 3 bateaux, ouais. Ok. Bon, vous comptez pas faire de guerre dans le coin, je peux essayer d'aller me pointer. Là non, là je suis pas vraiment en état de faire des guerres. J'ai des points, comment je manque de points. Je manque vraiment de points, donc... Je vais essayer d'envoyer mes cogs. J'attends l'institution et je fais que ça pour l'instant. J'ai perdu toute mon innovation avec ces conneries. J'ai quand même 24 ans de retard pour prendre la putain d'institution, quoi. Ah ouais, ah bah de façon... C'est quoi, c'est de la presse? C'est la presse imprimée, hein. Il faut des... Bah déjà, il faudrait être protestant, 1550. Déjà. Manœuvre des généraux plus 1. Mais c'est parfait, ça. Galère. 1550, ouais, ça va arriver vite, hein. Galère, galère. Bah, du coup, pour ma prochaine doctrine, j'invoque les commentaires des viewers. J'allais dire le chat, mais non. Pas vraiment. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Je pense un truc administratif ou militaire, hein, c'est là qu'on est clairement le plus en avance. Mais putain, mais ils ont déjà traversé, les mecs. Ah bah c'est la fête, mais revenez. Ah, moi je sais déjà les deux doctrines que je vais prendre par la suite. Ah ouais? Ouais, comme j'ai vérifié, pour devenir une république, il me faut les commerciales et les économiques. On va faire... Admin, fond, quoi. Les ballons sur le pognon. Ouais, ça se tient, hein. Après, l'expansionniste reste un must aussi, hein. Oui aussi, oui, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est ça. De toute façon... De toute façon, pour l'instant, je suis tellement en retard au niveau diplomatique que ça n'est pas très grave. La colonisation va venir en temps voulu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les nobles, qu'est-ce qu'ils font chier? Sachant que dès que j'ai l'institution, ouais. Je deviens l'Irlande aussi. Hein. Attention. Ah ouais. Ah oui, c'est beau. Au niveau des hommes, oui, on peut complètement prendre des troupes en plus, je pense. Ah ouais, pas tant que ça en fait. Hein. Mouais. Est-ce que 10 000 hommes ça suffira pour mater ces sauvages? Je me pose la question. Ils sont 10 000, ils sont avec 5. Ils sont liés à qui? Ils sont liés à personne. Hein. Oh, ça va complètement suffire. On va pas se faire chier. Du coup, on va acheter des bateaux plutôt. Hop. Allez, on va faire notre première guerre du Nouveau Monde. Déjà? Attention quoi. Bah écoute, la Castille elle est en vénère là, donc je vais essayer d'y aller avant que... Mais tu tapes quoi? Les Tupinambas? Je vais taper sur les Tupinambas, ouais. Pas un Ambas. Oh! Les fameux. Les fameux Tupinambas. J'ai entendu dire qu'ils avaient de l'or. Bah ils ont du cacao, ce qui est déjà pas mal. C'est de l'or hein, noir, mais c'est de l'or. C'est ça. Alors, personne ne vient, vous avez pas besoin que je vous appelle pour que vous fassiez des impôts de guerre ou je ne sais quoi. Ça va aller. Non merci. Bon bah voilà, on va faire une petite guerre tout seul pour une fois. Une guerre qui va, à mon avis, être très très technique. Hein. En gros, on y va avec nos bots, on les défonce, et après on rase le pays. Voilà. C'est simple. C'est... Stratégie gagnante. C'est pas mal. Vous remarquerez qu'on commence quand même à moins 29 à le siège, quoi. Ah non, on remarquera pas parce que... si, en cliquant dessus, ouais. Exact. Octroyé au Portugal. Putain, il nous commence à nous casser les pieds, le pape. Ah bah, toutes les Caraïbes, c'est mort. Hein. Il y a les Bermudes, ouais, hein, c'est qui... Ouf, ça. Les Bermudes, c'est peut-être accessible pour toi, non? Les Bermudes, pour moi? C'est la toute petite île en virgule, là, qui est au milieu de l'océan. Je vois que dalle. Ah mais il y a déjà un mec qui est en train d'y aller, je sais pas c'est qui par contre.
Il y a un colonisateur qui arrive dans 40 jours, mais je sais pas. Ok, qui... fin du partage de connaissances, nous dit-on. Ah, donc dans ta capitale, c'est fait. Oui. Parfait. 300 balles ? Vraiment ? Putain, il y a les Anglais qui se sont posés au Nouveau Monde, quoi. Ah bah, en même temps, ils ont plutôt intérêt, hein, parce que sur le continent... J'ai pas 300 balles, moi, allons, les gens, soyons sérieux. Ah bah, tu fais des prêts. Je vais pas faire un prêt. Oh bah si. Ah bah non. Ah, putain, quel con. J'étais un petit peu trop vite dans ma paix, j'ai oublié de prendre le territoire, quoi. C'est ça, d'être concentré sur d'autres trucs. Ah, t'as fait une damned en... Ouais, sur les Amérindiens, toi. J'ai fait une damned, ouais. Bon, c'est pas grave. Ils vont pas s'enfuir. Tu leur as pris quoi du coup? 10 de thunes. Oh, c'est pathétique. Tout à fait, c'est totalement pathétique, je suis d'accord. C'est vraiment, vraiment pathétique. Ah putain. Ah non, mais peut-être, j'étais en train de voir l'anglais là, je me suis dit putain, faut que je m'en occupe vite, et puis bam quoi, le fail. N'est pas ça, putain. Ouais. C'est raté. Ah bah oui, ils se sont libérés. Bon, on va les chercher par contre. La trêve avec la Suède. Ouais, ça va encore être super long cette histoire. Ah bah ça. Hein. Bon bah du coup on va laisser 10 000 hommes là à s'entraîner, hein, j'ai envie de dire. Il est en guerre le Danemark. Attaque Trecht. Oh là là. De toute façon, y a pas de guerre à faire. S'il y a des guerres à faire sur le continent, ça sera la France. Et si c'est la France que j'ai 10 000 hommes ou 7, ça changera pas grand chose. Bon, je vais bouger, baisser ma maintenance, tant pis pour la rébellion, ça va péter, hein, ça pètera. Bon, au pire, non, ça pètera pas, je vais utiliser mes points. Ruée vers les colonies. Ah, cool, plus 25 de croissance coloniale, putain, c'est la fête. 8K, c'est pas si énorme que ça. Oh, 8K, tu peux gérer quand même. Je pense. Oui. Pourquoi on perd autant de sous là, c'est quoi la blague là? Je vais attendre que ça passe à 90% et après je m'amuserai à payer peut-être quelques points. Bon, ce qui fait que pour l'instant je ne fais pas grand chose à part attendre la putain d'institution. Ouais, bah ouais, ça malheureusement. On va créer le grand royaume d'Irlande et du coup après je vais faire une revendication sur le trône de France. Contre-revendication du coup. Ça lui fera les pieds. Il fera complètement les pieds. En fait, je peux pas le faire parce qu'il a plus de prestige que moi pour l'instant. C'est juste ça la différence. Ah, on peut prendre une doctrine militaire, on va le faire. Après, on est toujours méga à la bourre en technologie diplomatique, hein. Pas de miracle. Allez, ouais. C'est parti. Explorons la mer des Caraïbes. Je compatis. Oui, mais je pense que je suis quand même un peu moins à la bourre que toi. Perte de 10 en prestige, je vais aller vous faire foutre, sérieux. Pour une fois que je t'ai remonté un peu. L'Angleterre revendique le Finistère, voyez-vous ça. Bon bah, Castille, je sais pas pourquoi t'as libéré les Potiguaras, mais du coup je vais aller les bouffer sans me merder cette fois, de préférence. Alors, un saint accompli des miracles, mais oui, à Anstab, bah oui, oui, bien sûr, à Anstab, cette question. Toujours. Putain, j'ai même... Mais vous vous entraînez ou pas, là? Oui, vous vous entraînez, vous, c'est bon. Avec votre lance, là. À un moment, va falloir rentrer les albars et sortir les arquebus, hein, parce que... ouais, on va quand même recruter le mec qui nous manque. Hein. C'est con, c'est que je peux même pas vous le montrer, les gens, parce que du coup, j'ai rien à vous remontrer à part moi qui a. Bah c'est pas ouais. Très intéressant. Il y a toujours une phase comme ça en même temps. Ouais, c'est clair. C'est pas facile quoi. Tu vois un peu le Nouveau Monde, non, peut-être? Bah en fait, je vois les côtes d'Amérique du Sud et puis basta quoi. Tu vois pas l'Amérique du Nord, non? Vite fait. Y a rien à voir. Attends, en Amérique du Nord. Hein. Et y a pas grand joui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas... De toute façon, y a que les Caraïbes qui se sont posés et la Castille, quoi. Et l'Angleterre qui a envoyé un colon, mais propagation plus disparant, enfin... Je suis trop loin pour le Groenland. Il est complètement à la rue, quoi. Y
Ah, je peut-être que t'étais pas trop loin pour le Groenland, toi. Ah, mais moi, le Groenland, je le vois complètement, mais tu peux pas... Tu peux pas... Ah si, tu peux... non, je peux même pas. Tu peux même pas y aller. 275, il faut 306. Je peux peut-être te refiler l'autre partie de l'Islande, Irlande. Ah, tu vas perdre ton accès. Je suis la plus à gauche. Ah non, mais moi, c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Je suis tout en bas, moi, donc ça change rien. Moi, je suis parti en bas, au final. Oui, c'est vrai. Donc l'Islande, au final, ne me sert à rien, pour le coup. Bah, si t'en veux pas, moi, je la prends. Hein. Ouais, je vais te la filer. Alors, attends. Il me faut un mec. Je vais regarder vite fait. Voilà, une revendication. Ouais. Je peux pas faire de revendication sur le territoire... anglais, malheureusement, enfin sur sa colonie. Le Danemark est en guerre contre qui? Oh, ok, contre de la merde. Desmond. Alors, vendre une flotte, non. Vendre une province. Est-ce que je peux cliquer dessus? Oui. Putain, ça me coûte 10 en prestige de vendre une province. Ah bah dis donc. Ah ouais, ça fait mal, hein, par contre. Hein. Allez, go. Faut pas s'amuser à se le faire trop souvent parce que. Bah je vais être en négatif, hein, tant pis. Je peux me permettre un peu de négatif. 12 Merci. C'était 60 sinon le prix de base. Oh. Je me suis dit que c'était un peu la violence. Monsieur et Prince. 60, 12 c'était le moins que je pouvais mettre. Ah mais c'est bien, bah comme ça au moins... C'est fait. T'as besoin de le légitimer d'ailleurs quand c'est comme ça? Ouais, ouais. Oh, ah, mais attends, mais les marchands sont réapparus? Oh! Ah non, ils ont disparu. J'ai eu le temps de le voir fugitivement, d'ouvrir l'onglet, ils ont disparu quoi? Putain, les pauvres. C'est la tristesse. Ouais, on revendique plein de trucs, on nous dit, mais en vrai, on s'en fout un peu. Bon, cette fois, je les attaque là, les cons là, et puis on les défonce, et on fait pas n'importe quoi. On peut prendre une doctrine, non, on va prendre la tech, merci. Notre explorateur ne nous servira plus, ah merde. Ah putain, sérieux, non, tirez-vous. Plaît-il ? Les cons. Ils m'ont sauté dessus alors que j'avais pas de morale. Non, je suis un peu nimp là, j'avoue. Mais c'est mon explorateur qui m'a distrait encore là. Ah putain, t'es sérieux. Ah, je suis machiavélique, waouh. Allez. Embrasser la contre-réforme. Putain, heureusement qu'ils avaient une tech de merde, hein. La vache. Alors non. La contre-réforme, non. La contre-réforme, Ah bah... Ouais, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt de la merde. Ouais. Parce que je vois pourquoi je me rajouterais un malus de 5 en technologie. J'ai pas trop plus envie, d'influence quoi. Sur le pas, plus de puissance, ouais, mais on s'en fout un peu, effectivement. Complètement même. Ouais, c'est pas très intéressant, ouais. Aucun édit, oui, aucun édit, ça me va très bien. Est-ce qu'on a besoin... On n'a pas besoin de payer l'armée pour faire le siège, je crois. Hein. On va complètement t'étendre là-dessus. On va envoyer les bateaux faire un blocus, par contre. Oh, une rébellion avec un général 2 étoiles. Tente. Oula, t'aurais dû m'appeler. Non, je tente, je suis joueur. C'est pas simple. Ça va le faire. Ah, vous êtes le double quand même. Ouais, mais bon. T'as rien, trop le malus et. Ça va te coûter la peau du cul. Encore. Ouais, oh bah, je suis habitué, hein. J'ai quand même des hérétiques dans l'Alençonnais, quoi. Les mecs, ils déconnent pas. Hein. T'as des problèmes religieux? Oh bah, ils sont à 10%, ah mais. Non, on n'a pas de problèmes religieux encore chez nous. Ils sont qu'à 10%, donc ça va, mais ils sont présents, quoi. Pour vous, le marché, vous le mettez à partir du moment où c'est rentable à combien en plus? Ah, j'ai trop de points. Grande question. Ouais, je sais. Le marché, je l'ai. Souvent, je mets ça que sur les nœuds. Les endroits où il y a un truc commercial déjà. Donc. D'accord. Je m'en sers vraiment pas beaucoup. Hein. Ou alors quand t'as vraiment, tu sais plus quoi foutre de ton blé en fin de partie. Quoi. Oui, non, bien sûr. Non, mais là. Ouais. Parle même pas de ça, c'est, mais... c'est complètement le dernier bâtiment que je construis. C'est ça. Oh. Bah, le bordelais, ça pourrait être intéressant quand même. Mais, bon. Ah, le 1 stable, 100 points administratifs et. Le maître de la monnaie est mort. Oui, bah j'ai pas le rappeler maintenant. Ça fait plaisir.
Allez, on va pouvoir prendre une tech. On aura des caravelles et des caracs, attention quoi. Bah, quoique. Et on pourra étudier les technologies. Pourquoi pas. Eh bien. La Bretagne revendique Gloucester, gain de 10 en prestige. Bah oui, oui, mais donnez-moi des éventes comme ça. Bon, je pense que je vais arrêter mon alliance avec la France. Ah, carrément. Bah, il va falloir un petit à petit, hein. Alors attends, je mets pause pour faire ma paix, cette fois je fais pas n'importe quoi. Hein, vous êtes gentil. Prends le territoire. S'éloigner de la France pour se rapprocher de quelqu'un d'autre, oui, je pense que ça peut être intéressant. Alors du coup, mon explorateur est mort, est-ce que ça vaut bien le coup d'en prendre un autre? Je suis pas sûr. Je sais pas, encore. Je me tâte, mais ça ne devrait pas tarder. Castille se prépare à attaquer le Maroc, c'est pas grave. Ah, notre général est mort aussi, mais sérieux, mais tout le monde décède dans ce pays, quoi. Trop de sarrasins. Allez, toi, tu vas retourner à Bordeaux. Et surtout de beurre salé, quoi. Ouais, trop de beurre salé, ouais, c'est clair. À 50 ans, à 50 ans, ils ont les veines bouchées, les pauvres. Alors, j'ai des soucis. Ah, mais nos diplomates ne font rien. C'est une idée de merde, ça. Chez qui on pourrait refaire des revendications? Il me faudra un conquistador, en fait. Ouais, je pense que ça durera pas, les soucis, aussi. On peut acheter l'institution, mais la payer plein pot. Les bourgeois sont apparus avec 5 d'influence, on va leur taxer du blé direct. C'est cadeau. C'est qui donne des conquistadors? C'est eux, hein. Ouais. Allez, filez-moi un conquistador, les gars. Non, vous me filez pas de conquistador? Ah, je lag. Ok, très bien. C'est un peu cher encore. Allez, on va rechercher les cités d'or. Est-ce que si je recherche les cités d'or, ça finance l'armée? On va tester, tiens. Je suis pas certain. Bon, de toute façon, j'ai la politique où les indigènes m'attaquent pas, donc c'est pas trop grave. Mais... Alors, une nouvelle doctrine, on a dit non. On dit qu'on attendait la tech. Le focus admin, c'est peut-être plus utile par contre. On va avoir un petit peu de bonus derrière. On peut faire des bâtiments. Oh, c'est la fête. Oh, oh là là. Bon, on va faire ça, on est obligé. C'est pour grave. Tu te traînes, mec, ou c'est moi là? Ah, mais on est en vitesse 1, c'est pour ça qu'il va arriver lentement. Ah oui. Tant pour moi, ça c'est mes lacs, hein. Je suis désolé. On paye les forteresses aussi, ça c'est une idée de merde, ça. Eh bien. Ils arrêtent pas de crever, les gens, ici. Ah, mais non, mais ça c'est les importations de Queen Amen, ça. Pareil, hein. Au bout d'un moment, mariage. Les affaires. Mariage royal avec la Castille rompue. Ouais. Faut le refaire très très vite fait. Hop. Tiens, moi j'ai pas eu ça. La malaria frappe une colonie, et merde. Envoyons quelqu'un combattre ce mal. Attends, on a une colonie, les mecs ils chopent la malaria, quoi. Sans déconner. Ah non, le traité de Torcellia contrôle pour le Brésil. Fuck. Aider la Colombie peut-être. Rah, l'enfoiré. Ah ouais, donc ça veut dire que t'es mal placé maintenant. Ouais, l'alliance avec la France est sur le point d'être rompue. Elle est passée hostile envers moi, ah merde. Et méfie-toi parce que la Castille va pas t'aimer non plus du coup. Ouais, attends, je vais faire pause 2 secondes, le temps de faire le point. Bon, la Castille ça va, elle m'aime bien, toujours. Est-ce que j'étais déjà posé? Je pense que tant que j'en pose pas une nouvelle, ça va. Ouais, il veut tes provinces mais à moins 2, ça va. Ouais, c'est gentil encore. C'est le Brésil castillan qui va pas m'aimer, ouais. Au pire, quoi. Non, mais je pense que... Comment? Il va falloir que tu t'allies avec des... d'autres gens, non? Je pense que la France, je vais lâcher l'idée, ouais. Mais si je la lâche, Autriche. Faut que vous la lâchez aussi, en parce fait, qu'elle ouais, va vous en aider. Il faut que tu te rapproches de l'Autriche, en fait. Ouais. Bah, moi, c'est ce que j'allais faire, hein. J'ai rompu l'alliance avec la France, hein, d'ailleurs. Et je peux m'allier avec l'Autriche, derrière. Mais je vous conseille, du coup, de lâcher la France aussi, parce que sinon, elle va vous emmener, et si vous refusez, ça va coûter une blinde, hein. C'est fait, ouais. C'est ce que je comptais faire. Donc moi, ça y est, c'est fait. Je l'ai dit que je voulais le faire, bah voilà. C'était l'occasion que j'attendais.
Du coup, et dans la foulée, Autriche. Ouais. Pour ma part, hein. Après, Bourgogne. Ouais, bah moi aussi, je vais tenter l'Autriche. Faut faire gaffe, par contre. Ouais, non, c'est bon. Sinon, c'est Cologne, mais Cologne. C'est bon, bah c'est ce que je vais faire, genre bientôt. Ok. Allez, go. Je commence à draguer l'Autriche, moi aussi. Moi aussi, dans 3 jours, 2 j'attends, jours. J'attends l'an prochain pour prendre l'institution moins chère, moi. Ça y est, l'Autriche, c'est fait. Bon, j'ai. Ouais, bah. Ouais, mais moi, par contre, elle veut pas entendre parler. Hein. Bon, ça passe. La France rejette l'accès militaire. Ouais, on va réarmer les forteresses parce que ça. Oui, par contre, on sait ça jamais. Ça sent le pâté un peu quand même. Ça serait bien de ramener les troupes aussi. Rompre l'alliance. C'est vrai qu'il y a le mariage royal par contre, donc ça me fait un peu doublon, mais bon. Pas grave, je finirai bien par crever, Henri de Dreux. La volonté française de maintenir l'alliance est d'environ moins 1000. Voilà, ça y est, ils ont rompu l'alliance. Nous aussi, on a rompu l'alliance. Du coup, ils sont plus alliés qu'à la Toscane. On est comme ça, nous, c'est tout ou rien. L'Autriche m'aime pas encore assez à cause de son trop de réputation diplomatique, mais ça va venir, je pense. Non, moi, ça y est, elle est alliée avec moi. Je vais améliorer. Mariage royal, du coup. Hop là. Du coup, elle a 2000 alliés, donc. Ah la vache, Raguse, Écosse, Brandebourg, Silésie. Ah oui, oh non mais c'est l'Autriche quoi. Hein. Ah fuck, faire un stab. Putain de nobles. C'est vrai que les nobles ils sont quasiment en train de faire une rébellion là. Ah oui, c'est pas sûr qu'on puisse tous s'allier à l'Autriche du coup. Non, elle a trop de relations pour moi. Mais bah, c'est pas grave, hein, je m'en fous un peu en vérité. Ouais, la Castille est quand même. Enfin, elle s'est pris des défaites, cela dit, la Castille. Hein. Je vois des mecs qui sont en train de se replier. Face au Maroc et à Tlemcen, sérieux? Attends, mais elle m'appelle à l'aide contre une merde! Et là non, quoi, c'est n'importe quoi. La Castille ne m'aime pas. Ouais, bah non, du coup. Ah merde, 90%. On l'Autriche à peu près 30 000 hommes. Hein. Répression, voilà. Petite répression tranquille. Des familles. On a toujours un désastre imminent par contre qui saoule là. C'est qui? 80% chez les nobles, c'est trop, paraît-il. Ah, putain, ouais. Oh, 80%, ça va aller lentement, ça va. Oui, oui, et puis en plus, je pense que quand on va prendre l'Islande, on va passer à 79%, du coup. Pourquoi je suis qu'à plus 20, là, dans ma colonie? C'est quoi ce délire, là? Ah, putain, ah, moins 20 à cause du traité. Oh, le traité de Torcilla, ça fait moins 20... Ah bah, à mon avis, tu vas avoir des tonnes de malus, hein, maintenant. Ah, on a été averti par la France. Ok. Ah. D'accord, très bien. Ah, ce qui est chiant, c'est que toi, t'as pas d'alliance avec l'Autriche. J'aurais peut-être dû te la laisser en priorité, en fait. Ouais, mais il y a la Castille, hein. Je suis pas non plus à poil, quoi. Mais... Ouais, c'est vrai. Ok, la Castille. Bon, bah non, ça n'a rien changé. Ils sont toujours à 80%, c'est con. Infiltration au Vatican. Sympa. Je ramène mes troupes, on va se préparer à défendre vaillamment la Bretagne face à la France. On espère que ça sera pas nécessaire. Ah, j'avais oublié que j'avais des subsides sur Desmond, tiens. Bah ça me fait un peu de sous. On espère, ouais. Avancée technique. Oui, on dépense sans compter, bien sûr. Bien sûr qu'on dépense sans compter, qu'est-ce que vous croyez? D'ailleurs, j'ai des bateaux à mettre à jour, moi. On a toujours pas de nœuds commerciaux. Non, on a pas de nœuds commerciaux. Oh putain, c'est la violence. Quelle tristesse. Hop. Des bateaux. On est d'accord, tout ce qui est bleu clair, quand on dézoome, c'est les mers intérieures. En gros, ouais. Ouais. Ok, très bien. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, non, mais très bien. J'avoue que je suis pas au taquet sur le bleu clair, là, mais... Oui. 289, allez. Ah bah voilà, ça y est, on commence à payer le truc moins cher. Doctrine de qualité, c'est terminé. Ah mais elle était 11 la France. Vache. Alors attendez, une seconde. Je vais lâcher le pognon. La discipline comme ça, c'est bien ça. Voilà. Et du coup on va prendre les techs. Ici. Ici. Ah oh, putain, je vais si. Même pas pouvoir prendre ça. Encore une tech. Encore une tech. Oui, encore une tech. Encore une tech. Je... Voilà.
énormément en retard en technologie. Donc là, j'ai pris 5 techs d'un coup. On reprend. Bravo. 5 techs d'un coup, ah oui, c'est propre. Bon, moi j'en suis loin. Bon, bon, on va terminer notre colonie là, là. Et puis on va aller se poser en Colombie, je pense. Sinon, c'est l'Afrique, mais bon, l'Afrique. Je commence à l'avoir soupé de l'Afrique, quoi. 11-10-10, du coup. C'est propre. Oh oui, c'est pas mal. C'est très très propre. Est-ce qu'on peut se poser, du coup, là-bas, là ? Oh, il y a moyen. Moi, je suis 19-10. Non, ma portée est de 325. Ah, bah, ouais, il fallait prendre le truc... Oui, 400. Putain, mais on va pas laisser nos forteresses s'écrouler. Foutez de ma gueule, là. Qu'est-ce que vous branlez, les mecs ? Oh, sérieux. Enfin, c'est pas grave, ça va aller vite maintenant, je pense. Cardinal ministre. C'est pas le moment, ça. Ça, c'est vraiment pas le moment. Ouais, ouais, viens. Merde, putain, on perd de l'innovation encore. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on est en retard en tech admin, hein, sérieux. Et en tech militaire. À un moment, il y aurait moyen d'avoir des points. Qu'est-ce que je devrais dire, hein ? 100 points, ouais. Franchement, il faut les économiques et commerciales, hein, c'est ça que j'avais dit, je crois. Ouais, c'est ça que t'as dit, ouais. Les mecs, ils se disent en retard, non, mais j'hallucine. Tu sais où ? Ouais, on va plutocratique. Points, hein. Plutocratique, ouais. Commercial et économique. On va prendre des petits points là, c'est parti. Hop là. La plutocratie, c'est bien. Je crois. Ouais, c'est pas mal la plutocratie, ouais. Donc écho, c'est parti. On peut prendre directement plus 10% d'impôts. Ça me semble pas dégueu comme choix. Pour ouais, commencer. J'avoue. Ah, mais attendez, parce qu'avant on va former l'Irlande pour la fin de l'épisode, là. Ah, attends. Attention, attention. Regardons ça. Formation de la nation irlandaise, obtention de nouvelles missions, je deviens royaume, plus 1 d'agitation partout, sans déconner. Nouvelle tradition et ambition. Alors je vais perdre 25% de réserve, ce qui est pas énorme, et 10% pour l'instant de coût de construction. Je vais gagner autre chose, j'imagine. C'est parti. Si je retrouve le bouton, c'est là. C'est ouvert. Oh, c'est ouvert. C'est adoption de nouvelles traditions. Oui. Quel beau drapeau. Et donc du coup j'ai gagné. Dommage de choc subi moins 10%. Plus d'efficacité commerciale et de morale terrestre, bah écoutez, pourquoi pas. Oh, c'est pas mal. Ok. Et nous sommes officiellement l'Irlande, chers amis. Et je suis un royaume. Il y a quand même vachement plus de gueule, faut bien l'avouer. Et du coup, je viens d'obtenir un beau casus belli conquête contre l'Irlande. Forcément. Voilà, voilà, voilà. Tout de suite, et là, agressif et tout. Ça va être le twist du let's play. Ouais, non, on va gagner un petit peu de... Mais on n'attaque pas l'Irlande comme ça. Ah bon ? Non, non. Enfin, on peut, mais c'est quand même pas conseillé. Attends, tu vas devoir te battre dans les forêts et tout, quoi. Ouais, non, t'as raison, c'est chiant. C'est clair. Ne sous-estime pas les bosquets irlandais. Bon, par contre, ça va pas arranger nos histoires, si... Bon, par contre, j'annonce en 1533, je me jette sur l'Angleterre, moi. Sans réfléchir, elle a Oldenbourg en allié. Moi. Est-ce que la France a fait des revendications chez moi ? En combien ? 1533. Ah oui, oui, bon, on va y aller en 33, oui, bien sûr, oui. Ah bah oui. Oui, la France a qu'on y retourne, tiens, Raymond, comme à l'époque. Souviens en 33. En 33. Ah, oui. La fameuse guerre. C'est ça. Alors j'ai de nouvelles missions. Allez, on va aller chercher le Maine. Bah pas vraiment en fait. C'est les mêmes missions en fait. Ah c'est la tristesse ça par contre. Ouais. Même les axes à droite, enfin, là ils ont pas changé. Pas trop. Donc plus 10% d'impôt, on avait dit oui. On avait dit que c'était bien. Pour l'innovation on repassera, mais au pire c'est pas grave. Bon, ça commence vraiment à avoir de la gueule tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est plutôt propre. On va commencer à faire des revendications sur la France, parce que pourquoi pas. 14 sur 21, je peux avoir quand même une
beaucoup plus grosse force que ça. Ah ouais, t'as bien blobé aussi. Alors, on va prendre bon, par contre, au niveau pognon, c'est toujours pas non plus. Ouais, mais ça va s'améliorer avec ta doctrine, ça. Ça devrait. Alors moi, j'essaie d'économiser pour améliorer mes bateaux, mais pff, putain, ça coûte la peau des fesses, quoi. Ah oui, les bateaux, ça coûte la peau du cul. Pff, je pense que ce serait pas plus rentable d'en acheter d'autres, en fait. Je suis à combien, 18 sur 22. Je sais pas, moi, allez, hop, personnellement, j'ai même pas augmenté en technologie pour améliorer mes bateaux encore, donc... On va acheter 4, normalement tu peux déjà mais Ah non mais je suis tu je suis 7-7-9 moi. 7-7 Oh la vache. Ah bah ouais, quand je vous ai dit que j'avais du retard. Ah bah, et tu fais quoi quand t'as un mec qui fait 0-0-1? Ah bah non mais c'est sûr hein. Ah putain. Et là j'ai un 0-2-6. Il y a un moment tu le payes hein. Ouais, il faut que tu fasses des focus, sinon c'est pas possible. Ah, j'arrête pas. Sauf merde. Hey, mon focus administratif, je suis passé de 3 à 5. C'est génial, non? Allez, alors j'ai le choix. Bon. Soit moins 100 en relation avec les états pontificaux. Ouf. Soit 17 régiments de nobles à Coventry. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont pas contents? Bah parce qu'il faut que je leur dise que Jésus est parmi les mendiants, pourquoi pas vous? Ah ouais, d'accord, la provocation. Ou alors je dis d'accord et en fait c'est les nobles qui le prennent mal et ils se révoltent. Donc dans les deux cas c'est un peu la merde. 17 régiments. Ah mais non, mais pas 17 régiments les gars, vous déconnez. Je vais fâcher le pape, tant pis. Ouais, j'ai fâché le pape. Hein. On s'excuse tout ça, hein, c'est bon. Enfin, bref. L'Autriche. Ah non, l'Autriche c'est pas possible. Hein. On va essayer de dire qu'on est amical, mais... Bon, on va prendre quelques troopers. Oh, quoi que, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des troopers maintenant? Je me pose un peu la question. Doctrine d'exploration, du coup. Alors non, on va pas demander de l'aide à l'Irlande, ça va Portée aller. Coloniale plus 100. Bah non, il faut que j'attende la 11, c'est quand même vachement mieux. Bah oui, il faut que j'attende. Bon, par contre, en contrepartie, j'ai bien avancé dans mes doctrines, quoi. Bah, c'est déjà ça. Ça c'est, bah oui, doctrine ça, c'est de qualité, c'est fini. Doctrine d'exploration... Ah oui, ah bah, oui bah voilà, t'as pas tout perdu. Ah bah oui, ah bah non, bah quand même. Non. Là, au moins militairement, ça va. Non, j'ai la doctrine de qualité qui est finie, quand même, au moins. Ok. Ah ouais, moi j'ai aucune... Comment? Moi j'ai les deux premiers, à peu près dans chaque doctrine, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah oui. Par contre, je crois que l'épisode a carrément trop duré. Ouais. C'est possible. Ouais, je crois aussi, ouais. Il va falloir qu'on s'arrête là. Et c'est bien parce que je ça mets finit une sur un... pause. Pour ma part, ça me va parce que ça finit sur un message. Nous sommes les meilleurs, plus 10 de prestige. Moi, ça me va comme fin d'épisode. Moi, ça, je prends. Bon, la France ne m'attaque pas. Je vais renvoyer 3 péons explorer le continent, je pense. Hein. Bon, bah du Attends, coup... juste, l'Angleterre est en guerre contre Brême. Ah oui, on s'en fout, c'est pour défendre Oldenbourg. Très bien, j'ai rien dit. On s'en fout. Ok, et bien du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu de calme, mais ça change un peu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller voir le point de vue sur la chaîne de Tiberians. Le lien est comme d'hab dans la description. Si vous êtes sur la chaîne de Tiberians, n'hésitez pas à venir le point de vue sur la chaîne de Le Signe Noir. Le lien est dans la description aussi. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye. A plus tout le monde, merci.